Et salut les ozos! Nous revoilà pour la suite de ce fabuleux libre aventure que nous faisons depuis un petit bout de temps maintenant. Alors, attendez, hop, hop, et voilà! Alors, oui, nous sommes devant le portail du chapitre 3. Et j'ai eu une réponse de notre cher monsieur Noz qui m'a tout simplement dit que je n'avais pas encore trouvé la fameuse cité romaine qui était l'objectif a priori du Nether. Hop là, c'est par là. Et qu'il fallait que je la retrouve, et donc il m'a indiqué que c'était du côté de tout ce qui était bottes de foin et émeraude qu'on avait vu la dernière fois. Donc là vous voyez qu'il y a la cité qu'on a croisée tout à l'heure. Par contre, où est-ce que c'était? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai point de réponse, mais que nous allons devoir trouver. Ça ne doit pas être très loin. Voyons voir. Bonjour. Ouhou! Vous l'avez senti le fail là? Vous l'avez senti le fail? Eh ben non, j'ai pas fail. Alors, si je me souviens bien, en suivant le petit chemin, on le voyait. Oula, j'ai trouvé un gaz là. J'ai cru voir un ghast. Un iskushi. Ah ah. Tu vas mourir. Qu'est-ce que je disais? Il a fui. Lâchement. Le pauvre. Oui, le pauvre, parce que je le comprends en même temps. Je veux dire, il a pas n'importe quel adversaire, quoi. C'est moi. C'est moi. Alors. Alors, a priori, il y aura dans cette magnifique cité dont nous parlons depuis tout à l'heure, la cité romaine, les réponses à quelques questions, je l'espère en tout cas, et la suite de l'aventure. Oh. Bonjour. Pas bouger. Eh non, pas bouger. Ah! Ce qui est le meilleur. Et la suite de l'aventure. Donc normalement, on devrait être pas si mal que ça. Alors attendez. Hop. 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 Ouais. Bonjour. Donc là, on arrive au bunker. Le bunker, c'est pas lui qu'on cherchait. Mais bon, on y est, c'est bien. Par là, on a donc la cité machin chose. On va donc tenter de partir par là, voir un petit peu ce qui s'y passe. Est-ce que c'était par là? On l'avait vu, hein, on l'avait vu lors du précédent épisode. On va donc essayer de le revoir, ce serait bien. La fameuse partie dont il parlait, les bottes de foin ainsi que les émeraudes. Je ne sais plus du tout où c'était. Mais on va le retrouver. Oui, mémoire de poisson rouge, c'est ça. D'ailleurs, vous avez du bol, je vous fais pas des intros à chaque fois que je me demande si je les ai bien lancés. Hein. Ça pourrait être horrible. A priori, c'est pas par là. Oui, bah, on réexplore les zones qu'on a déjà explorées. Éventuellement, je vous ferai peut-être une petite coupure, vous voyez, pour dire qu'on l'a trouvé. Ouais, je pense qu'éventuellement je vais faire une ellipse. Les ozos, donc je viens de revenir, donc j'étais en train de me balader pour essayer de retrouver la zone, et en fait à partir de cette espèce de machin là, on voit la zone de bottes de foin dont il me parlait, donc on va aller par là. Je suppose qu'il doit y avoir un chemin un peu plus comment dirais, officiel, mais je le sens bien. Alors allons-y. Hop, ça fait beaucoup de hop, 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 encore hop, 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 hop. Ok. Oui, en fait, on était juste au niveau de la maison. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Donc j'ai fait n'importe quoi en partant tout à l'heure. Pas bouger. Putain, pas bouge. Putain, enfoiré. J'ai dit pas bouge. Voilà. Enfoiré. Voilà. Wouhou! Tia! Merde! Bon! Donc, a priori, ce serait dans cette zone-là.
contre, j'ai pas vu la zone d'émeraude dont il me parlait. Que je ne vois toujours pas. Bon, on va monter sur ce truc là, ça doit être par là. Enfin. Ah! Tu m'as loupé! Eh ouais. Ok. Ok. Je ne vois pas de cité romaine. À moins que vous ayez quelque chose à... Qu'est-ce que c'est là-bas? Qu'est-ce que c'est là-bas? Voyons voir, je vois des arbres. Voilà, voilà, voilà ce qu'on avait dit, d'accord, ok. Par contre, mec, je vois pas du tout où est ta zone d'émeraude. Hein. Moi, je voulais être riche, tout ça, je me suis dit, oh, pied, on va pouvoir marchander plein de trucs après. Mais là, a priori, c'est pas le cas. Alors, on s'est planqué même, hein. Salut les cochons. Aïe. Putain. J'ai encore pété les pattes. Alors, d'abord un petit peu de bouffe. Et maintenant, alas. Oh, alas. D'accord. Il y a un portail ici. Bon. Donc il faudra que je l'utilise après. Ici rien. On va faire les zones les unes après les autres. Oh là là. Celle-là est grande. Salut copain. Ça va. Qu'est-ce qu'on a... J'ai vu des coffres, donc normalement on devrait pouvoir trouver des choses dans ces deux cités. D'accord, faut prendre au milieu. Bon. C'est juste que je suis en train de visiter les jardins. En même temps, c'est très beau les jardins, j'aime beaucoup. Moi. Très arboré, tout ça. Bon, par contre, c'est vrai que je suis pas sûr que les Romains arrivaient à faire un vide sanitaire comme ça. Il faudrait que je me renseigne. Il faudrait que je vérifie si effectivement César avait un vide sanitaire en dessous de sa maison. Ce serait sans doute. Bonjour. Ce serait sans doute intéressant à savoir. Beaucoup de choses qui brûlent dans le coin. D'accord. Voilà. Là, il y a un coffre. Des fioles d'eau. Bon. J'ai pas forcément besoin de fioles d'eau, mais... Ninja. Un lit. Ok, un lit. Un lit. Ah, un lit, c'est bien ça, un lit. On va laisser ma cote de maille, on va prendre le lit. Pas forcément pour tout de suite, mais comme je sais pas où est-ce que je vais arriver, et que je tiens à le rappeler, je suis pas vraiment un des meilleurs joueurs de la Terre. Oui, c'est une surprise pour vous, vous qui croyez que j'étais meilleur, mais je pense qu'il est important. Je prends quand même une fiole d'eau, si jamais. Je pense qu'il est quand même important de vous rappeler que je ne suis pas forcément le meilleur joueur de la Terre. Oui, il y a des gens meilleurs que moi. Ça arrive. Eh ouais. Eh ouais. C'est surprenant, mais vrai. Et par conséquent, je pense qu'il est important d'avoir un lit pour... Oula. Putain, j'ai failli me faire avoir. Salut toi. Alors, mais quelles sont les mécaniques du hasard? Vous n'irez pas plus loin, l'accès est condamné. Ici, la courbure spatio-temporelle est malléable. Mon trésor est protégé. Comment gravir un sommet de bedrock incassable? On me surveille, je les entends, je les sens, ils sont là. Ils vont passer dans notre dimension. Ils veulent du lapis et de l'obsidienne. Riche, je suis riche. J'aime les démons et leurs créatures. Monte sur le toit et lève les yeux. Les lasagnes, c'est bon même avec du cheval. Oui. Moi, Cassandre, prêtre d'Aventura, j'ai réussi, j'ai corrompu les hommes en transformant les villageois. Ah, je le savais. Je le savais, salaud! Bref. Grâce au champignon du Nether, le sorcier Malikan m'a beaucoup aidé. Oh, le salaud! Depuis que je suis à son service, j'ai créé des zombies en mélangeant des champignons. Oui, je les entends, tes zombies, là, mec. Ils vont me tomber dessus. Depuis que je suis... Hein, en mélangeant... Putain, qu'est-ce que je disais? Ok.
Qu'est-ce que je disais, ils m'ont tombé dessus. Salopard. Les fidèles se métamorphosent en morts vivants. L'épidémie augmente à Ventura. J'ai ouvert plusieurs portes maléfiques. Personne ne pourra plus les refermer. Les elfes exploitent les roches du Nether, les inconscients. D'autres créatures personnelles indirectes que l'ouverture du portail a eu des conséquences. Il va falloir se méfier des Blaze. Ok, donc a priori, on a un putain. Ah oui, d'accord, ok. On va voir, vous vous souvenez qu'il y avait une porte là-haut, et vu le spawn du machin, je pense qu'on a du combat là-haut qui nous attend. Qu'est-ce que je disais? Putain, ça va être compliqué. Voilà. Putain, enfoiré. Allez, viens, viens prendre ta claque, toi aussi. Allez. Vous mourrez pas! Vous mourrez pas! Oh putain, finalement peut-être que vous mourrez. Mais je me battrai. Putain, il y a toujours des zombies qui apparaissent. C'est hyper chiant. Bon. Il faut que je remonte. Oh putain. C'est horrible. C'est horrible ce truc. Ah oui, d'accord, oui. L'anneau, c'était un peu barbare quand même sur ce coup-là. Pas forcément besoin de prendre. Oh putain, j'avais pas vu. Vite. Putain, enfoiré. Bon, première chose. Se débarrasser de ça, mais pas forcément de tous les zombies, parce qu'il en reste de toute façon dans les... D'accord. Il va en rester aussi dans ces alcôves-là, je suis sûr. On avance un peu, on continue à regarder un petit peu, et puis après, on arrête de se chier dessus. Ok. Ok. Ça pue, ça pue, ça pue. S'il a piégé l'endroit, ça pue. Oh. Ok. Ok. C'est très très joli, mec, mais... En fait, j'ai besoin de châtiment, c'est mieux. C'est très très joli. Putain, il y a l'air encore des structures derrière. Ça pas forcément besoin, mais ok. Une armure étincelante de chevalier paladin. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a l'air d'y avoir un autre bordel encore au fond. Et tout à l'heure, il me disait de... Levez les yeux quand j'étais sur le toit. Ah oui.
Ah oui. Ah bah voilà, il y a un autre coffre là-bas. On va d'abord commencer par ça. Et fais pas chier. Oh, saloperie. La cité est attaquée, la cité est attaquée. Ah, ça c'était méchant, ça c'était pas gentil, mec. Le dégradé de toi là, c'est vraiment pas. D'accord, il est où? Non, mais la maison est belle, mais si tu veux, je m'installerai pas là, quoi. Je peux pas dormir déjà. C'est quand même pas top pour une maison. Tu noteras. Est-ce que là c'est un peu le, vous savez, le petit moment où il est en train de vous dire ce serait bien que tu t'installes là. Ouh là là, elle est belle ma maison. Elle est magnifique. Il y a un truc ici. Il y a un truc ici. Je ne suis pas sûr d'avoir assez de blocs pour pouvoir. C'est un escalier. Escalier-ton alors. Ouh, ça donne le tournis tout ça, c'est moche. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de sensé là-dedans? Oui, des coffres. Oh, ça c'est. Voilà qui est beaucoup mieux. On va se débarrasser de 2-3 trucs parce qu'a priori on n'en aura pas besoin. Bloc de lapis, on peut les garder, ça me fera des blocs en plus. Le bois, il faut absolument que je le garde, mais je vais m'en garder. Et qu'une seule sorte, ça suffira largement. Potion de résistance au feu, bah pour le moment on est bon, on va les garder. Ça on va le faire ensemble, on va se garder qu'un seul stack. Comme ça on est bon. On va prendre l'efficacité 3, bien sûr. L'efficacité 3, oh solidité touchée de soi, c'est bon ça. C'est bon ça aussi, voilà. Ah voilà, fortune, ah, j'ai un fortune. Solidité 3, efficacité 3, d'accord. Fortune, il faut que je regarde d'abord le reste. Tranchant, tac tac, fléau des arthropodes, non là j'ai largement ce qu'il me faut. Fortune 1, solidité 3, efficacité 3, voilà. Et éventuellement, effectivement, une fortune. Ouais, mais une fortune sur une. C'est pas un looting, c'est une fortune. Et ça change pas mal de choses. Et ça change pas mal de choses. Bon. On descend. Ce moment où tu sens ta vie tourner autour de toi. Blah. Effectivement, c'est efficace. Alors, qu'est-ce que je faisais moi? Oui, il y avait un truc où je pouvais descendre normalement. Je ne sais plus où. Bonjour. Pas là, tiens, juste une question. Non, y a rien en dessous. Hein. C'est juste une imitation. C'est juste une imitation. Voilà. Normalement, il y avait un.
Si, voilà, ici. Ça, c'est bon. Ouh, bien mieux que celle que j'ai, me semble-t-il. Ah, protection 4, non. On va les garder quand même. Ça peut faire un set de rechange plutôt intéressant. Ah, voilà. Ça, on enlève. Ok. Ok. Et on a un autre coffre ici. Protection contre le feu. Protection contre le feu. Oui, mais c'est du fer. Oui, mais c'est du fer. Protection contre le feu. 2 ou 3. Tu sais quoi? Je vais quand même les prendre. Je vais quand même les prendre parce que. Parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Oui, je vous ai chanté du. Commencez pas. Écoutez, on fait ce qu'on peut. J'ai toujours cru, enfin, je pense toujours que d'un point de vue sexy, c'est quand même plus sympa de n'avoir que le haut. Qu'est-ce que tu m'as fait? Sionose, qu'est-ce que t'as fait? Donc là, on est juste en dessous des bassins, d'accord. Missy Cruz Bourdil. Ah, d'accord. Ça pue le piège! Ça pue le piège! L'enfoiré. L'enfoiré. Oh putain. Super, il y a le système en dessous. Ouais, non, je peux rien en faire de toute façon. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Bon, ben j'ai intérêt à faire très attention à ce que je fais quand j'avance. Parce qu'a priori, il m'a truffé l'endroit de piège, le monsieur. Ok. Putain, mais c'est quoi cette structure de malade là? À un moment donné. D'accord. Ici, il n'y a pas grand chose. Je ne sais pas du tout ce que je fais, je ne comprends pas du tout ce que c'est, mais bon. Je suis là, je regarde au moins. Hein. Il y a dû y avoir un chemin par là. Il y a dû y avoir un ghast par là.
Return to sender. Je l'ai pas eu d'ailleurs, c'est n'importe quoi. Ok, ça ne mène à rien. Sur la gauche, d'accord. Je ne sais pas à quoi correspond cette structure, je ne vois rien de spécialement intéressant, donc on va repartir tranquillement. Nous ne foirons pas, s'il vous plaît. Merde, moi je suis trop con. Vite, 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 vite. Vite, 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 putain. Bon. Ben voilà. Ça c'est fait. Ouais, il était temps de les utiliser de toute façon. Et. Ouf. Oh le con! Ah ouais non, faut que je me casse là. Faut pas que je reste là. Vous avez vu ce qui vient de se passer? En fait, il y a les SpongeBob, là, les espèces d'abrutis de cochons qui marchent sur les plaques. Et donc ça déclenche forcément les pièges. Donc je reste pas là. Parce que sinon ils vont déclencher tous les pièges, c'est con. Et qui c'est qui va se les prendre dans la chaudron? Qui c'est qui va se les prendre dans la chaudron? Chez moi. Bon! Reste un petit détail auquel je n'avais point pensé jusqu'à présent et qu'il va quand même falloir que je résolve, c'est-à-dire il me faut du gravier. Oui, il me faut du putain de gravier. Est-ce qu'il y a du gravier dans le coin, s'il vous plaît? Bonjour. Oui, parce que allumer des portails, c'est bien. C'est bien, c'est une bonne idée. Éventuellement, avoir un flint and steel pour pouvoir le faire, c'est une idée. Donc il me faudrait du putain de gravier. Évidemment, je suis dans la seule zone qui n'en contient pas. Si j'en ai vu tout à l'heure à côté de ma structure, à côté de la structure super bizarre là-bas. Poum 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 putain poum 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 poum. Voilà. Poup, poup. Hop. Alors, si je ne m'abuse, on a les chemins qui partaient par là. Donc, qui devrait être visible. Non, pas par là. Bon. Qui devrait être sur ma gauche, mais plus bas, sans doute. Double rebond. Est-ce que la structure est là? Non. Bon. Eh hey, super, un coffre caché que j'avais pas vu. Super mec, j'en avais plus. Potion de menteur. Non, ça c'est mieux que ça. Ça c'est nul, la potion de menteur. Taisez-vous, je passe. Bande de savon.
Hop. Et voilà. Donc, il me semble que j'en ai vu juste ici. Du gravelard. Voilà, en bas. Vous voyez? Oui, alors qu'on lui dit juste ici, je pensais en haut, alors qu'en fait c'était en bas, c'est pas une raison, on va pas commencer à s'embêter pour des détails, tout ça, tout ça. Super! Je l'ai eu tout de suite, vous avez vu, c'est pas génial ça? Et on va s'en faire un autre d'ailleurs. Voilà! 3, c'est très bien. C'est moi ça, toi. Et voilà. Eh oui, mais voilà. Oui, voilà. Parfait. Parfait, parfait. Donc maintenant, on va revenir. Au fameux portail du Nézir qui était à l'entrée de la structure. Je peux sauter ici. On va revenir au portail qui était à l'entrée de la structure et on va le passer. Donne fin à tout ça. C'est parti. Allez. Non, je crois qu'il était tout en bas, au fond. Au fond du boxon. C'est ça. Il était là. Salut les cochons. On y croit? On y croit? C'est parti! Et d'accord. Donc on est revenu dans le monde normal. On est en plein jour et il y a une petite structure face à moi. Pas une structure. Encore un de ces igouigouis. L'esprit de Monsieur No est complètement fatigué. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut y trouver là-dessus? Pas grand-chose, j'imagine. Oh. Bientôt fini, oui. Ouais, juste une petite structure, quoi. Ok, par contre, à porte de vue, absolument rien. Donc, conclusion. Mon portail, mon portail, mon portail, mon portail est de ce côté-là. On retourne dans le Nether. Hop là, oui, mais c'était justement par là qu'il fallait que j'aille. Moi, c'est par là que je suis arrivé, non? C'est par où que je suis arrivé déjà? Je suis arrivé de là-haut, c'est ça, parce que j'ai sauté sur le toit du machin. De là-haut. Et comme je le voyais, je suppose que je suis arrivé de là-haut à gauche. Ah, c'est ça? Ou de là-bas? De là-bas en fait, je suis arrivé de là-bas. Les bottes de foin sont là-bas. Parce qu'à partir des bottes de foin, je retrouve ma petite maison dans la prairie là, oui dans la prairie, voilà les bottes de foin sont là. La petite maison dans la prairie des Nésertiques et à partir de là, je retrouve mon fameux passage vers voilà vers le chapitre 3. D'ailleurs, pour me faciliter, aïe, le montage, je vais allumer le portail.
Je vais traverser le portail, mais vous ne verrez pas tout de suite l'autre côté. Il s'agira tout simplement. Hop là, merci. Je suis assailli par les blazes. En même temps, c'est ta faute. Il s'agira donc. Hop là, hop là, hop là, hop là. Putain, super. Wow. Il s'agira pour moi ensuite de basculer sur l'autre carte et d'essayer de récupérer le maximum de mon magnifique ouais, de mon magnifique stuff. Alors je pense pas que je puisse le reproduire à l'identique sur les comment on appelle ça, sur les enchantes. Oh, on verra bien. On verra bien ce que je peux faire de toute façon. Il n'y a pas vraiment le choix. Donc les petits oiseaux! Merde, je vous tourne le dos. Les petits oiseaux. Je vous dis donc à la prochaine fois où nous irons vers le chapitre 3. Et en attendant, vers l'infini et l'au-delà.